Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nos Racines, émission tout spécialement dédiée à nos aînés. En ce jour, en ce dimanche très spécial, je voudrais surtout souhaiter une très bonne fête de l'Assomption à tous nos citoyens de foi chrétienne et aussi à tous ceux qui se prénomment Marie. Que ce soit il ou elle, Marie est un prénom quand même très très porté. Et alors, je vous propose pour commencer, Ode à Marie.
petite pause musique où on retrouve notre ami Robert Noël, toujours fidèle à nos émissions pour les aînés. Ils quittent le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, leur revêt de manche les lèvres. Car ils savaient tout à propos, tuer la caille ou le perdreau, manger la tome de chèvre. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec la main dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien haineuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette, car ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire, s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. De chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, y'a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire, que l'heure de la retraite sonne. Faut savoir ce que l'on aime, rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Eh bien oui, nous sommes un dimanche très spécial et on vous a concocté aussi un clin d'œil à Elvis Presley. Elvis Presley qui a disparu il y a 44 ans. Disparu tout simplement, mais toujours présent dans nos mémoires et toujours présent dans les médias. Les radios et télévisions du monde entier vont en parler car le 16 août, on commémore la disparition du King. He left this world on the 16th of August, 1977. More than 80,000 people crowded into Memphis to attend his funeral. They wept as the white limousines and hearse traveled to Forest Hill Cemetery. A few weeks later, he was moved here to his final resting place, where he now lies between his mother, Gladys, and his father, Vernon, and alongside his grandmother, Minnie Mae.
A marker in memory of his infant twin, Jesse Guerin, was also placed here in the meditation garden. In the chapel, the tears I cried were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel. Crying in the Chapel, interprété par Stéphanie Mardi. Eh bien oui, cette chanson nous a vraiment pris aux tripes parce que Stéphanie la chante avec tellement de cœur, avec tellement d'amour. Stéphanie, tu nous as fait là un beau cadeau. Et nous aimons voir les femmes, justement, qui chantent Elvis. Donc, avec moi, Steve Condon, président du Mauritian Elvis Presley Fan Club. Steve, bonjour. Bonjour, bienvenue à toute l'équipe. Ça va? Ben, tant bien que mal, on essaye de faire aller des choses. Hein. Alors Steve, ça fait combien de temps que tu es président de ce fan club? Président, je crois que ça va faire une année, mais je crois que je suis le président le plus malchanceux dans les annales, parce que depuis la prise de la présidence, on est tombé en plein Covid. Et du coup, tous les projets élaborés avec l'équipe du fan club n'a pas pu aboutir. Et du coup, on désespère qu'on arrive à faire quelque chose pour redorer un peu, pour faire les gens revivre un peu ces moments d'Elvis Presley, etc. Mais on garde les doigts croisés. Oui. Voilà. Alors, tu chantes Elvis, bien sûr. C'est un répertoire que tu aimes bien. Oui, j'ai pas toujours été un fan d'Elvis. Je suis devenu un fan d'Elvis par accident. J'ai toujours aimé ses chansons, sans être vraiment un fan. Mais après, bon, petit à petit, les choses sont mises en place. Et on a commencé à interpréter ses chansons qui plaisent à mes fans, au public un peu.
À ma famille surtout, parce que oui, bon. Voilà. Ouais, ma famille. J'ai ma Ta mon femme, épouse. Tes mais oui, oui, ce sont mes plus grands fans. Ce sont mes plus grands fans et bon, il n'y a que du bonheur. Oui. En faisant les chansons d'Elvis, on n'a que du bonheur. Oui, je voilà. crois aussi. Et d'ailleurs, on te voit chanter avec ta fille en duo. Oui, c'est Sarah. Sarah, celle qui m'accompagne dans bien de chansons. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que... Quand on parle d'Elvis Presley, on pense toujours que les interprètes seraient des hommes. Alors que non, pas du tout. Moi, j'ai rencontré pas mal du genre féminine qui interprètent admirablement les chansons d'Elvis. Oui. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des chansons qu'on puisse dire attachées, faites que pour les hommes, mais c'est pour tout le monde, des enfants, des filles et tout. Vous allez voir sûrement. Oui, et on est là aujourd'hui, justement, Steve, parce que c'est toutes les générations confondues qui vont commémorer la disparition de ce monument de la chanson. C'est la beauté de la chose. C'est la beauté de la chose. Et comme tu avais mentionné, Elvis, ce n'est pas juste un chanteur qui est décédé, mais c'est une institution, c'est un monument. Et ces chansons, ces interprétations ont touché, on peut dire, le monde entier, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des plus âgés, garçons, filles... Tout le monde a été pris dans ce petit piège d'Elvis. Et c'est la fièvre, quoi. Oui. Voilà. Voilà. Et alors, donc, le Elvis Presley, le Mauritian Elvis Presley Fan Club, est-ce que maintenant, on va dire, il pourrait prétendre s'agrandir un peu? Ah ben, c'est un peu tout à fait le but du Fan Club. C'est de faire découvrir. Universel, c'est pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas homme, femme, jeune, vieux, mais c'est pour tout le monde et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On y peut rien. Toutes générations confondues. Bien sûr, Steve, je t'invite à revoir un duo d'un enregistrement fait à l'hôtel La Pirogue, ce magnifique duo avec ta fille Sarah. Beau souvenir. Ok, un très beau souvenir. On partage ça avec le public. Super, super. Merci. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You will be too. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, 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 blue Christmas. Oh. Sarah Kenden, ben je vous dirais, c'est la digne fille de son père et de son grand-père. Eh oui, Sarah, ça va? Oui, ça va, tout va. Alors, à 17 ans, Sarah chantait Elvis, oui, accompagnait papa, d'accord, mais il faut quand même aimer ça. Alors, oui, donc déjà, j'ai grandi entourée de la musique et avec papa qui chantait. Ça m'a beaucoup initiée dans le domaine de la musique et ça m'a fait
vraiment adoré ce que papa faisait, ce que moi aussi j'ai commencé à faire. Donc j'adore la musique. C'est formidable. Oui. Et en fait, chanter à côté de tes études, donc y a pas de... ça n'a pas posé problème? Alors non, pas du tout, parce que c'est vrai que je dois me concentrer sur mes études, mais la musique a toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours été une passion et pour moi, chanter n'a jamais rien empêché. Ça a toujours été un plaisir de le faire et ça ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit d'autre. Et le King Elvis Presley, qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, je dirais que Elvis Presley a pris une grande partie de ma vie. Déjà parce que j'ai grandi avec papa qui chantait beaucoup du Elvis Presley à la maison. Donc, je pourrais dire que je connais presque toutes ses chansons. Alors, oui, ça a été une grande partie de ma vie pendant que je grandissais. J'ai écouté Elvis Presley en grandissant et jusqu'à maintenant, je continue à l'écouter. Super. En tout cas, ce duo que tu nous as offert avec papa était vraiment absolument magnifique. Merci. Eh bien, j'essaye. Wise men say only fools run. Avec moi, Piero Mamet, 84 ans. Lui, on dirait un die-hard d'Elvis Presley. Et croyez-moi, mes amis, Elvis, il vit, il respire à travers un fan comme Piero. Piero, en 1977, tu as vécu la disparition d'Elvis Presley. J'ai appris son décès de tes abords de ma voiture. J'étais dans les environs de Granby. Nous étions en week-end chez des amis et je m'étais éclipsé pour aller dans le centre, pour aller faire des courses. Et à mon retour, j'apprends la nouvelle sur les antennes de la MBC. La MBC qui annonce que Elvis est mort, etc., qui est décédé. Là, ça a été
un choc. Ça a été véritablement un grand choc. J'ai parqué la voiture sur le bas-côté de la route et je suis resté là pendant 10 minutes à un quart d'heure à comprendre vraiment ce drame, parce que Elvis était une telle personnalité dans le domaine de la musique, etc. Et qui pourrait un jour éventuellement le remplacer, ou je m'étais dit, peut-être dans un siècle, et encore, Elvis était Elvis. La disparition du King a été donc durement ressentie à ce moment-là. Durement ressentie, et enfin, tout le monde en parlait dans le pays, et comme j'étais en route, de reprendre la voiture, de reprendre la route, et j'arrive chez mes amis, on était en week-end en villégiature, et j'arrive, et tout le monde me voit mélancolique, un visage assez défait. Triste. Et on me dit, qu'est-ce que tu as, tu te sens pas bien, ou ça ne va pas trop bien. Je dis non, j'ai appris la fraise nouvelle là, après la mort d'Elvis, en voiture, et ça m'attriste énormément. Ça m'attriste énormément. C'est comme ça. C'est irrémédiable, c'est malheureux, mais... Mais n'empêche que tu es resté toutes ces années, c'est-à-dire 44 ans, oui, toujours ce fan incontesté d'Elvis. Oui, oui, toujours. Alors comment? Comment ça se produit, ce miracle de rester aussi fidèle, Pierrot, à la mémoire d'Elvis Presley? À ce moment-là, j'ai l'époque, l'ère des vidéocassettes. Je commençais à arriver à Maurice, il y avait des vidéos recorders, comme on dit, des magnétoscopes. Et là, je me suis dit, une façon assez pratique, assez facile et pratique de faire honneur à sa mémoire, c'est de collectionner ses films. Ses films, ses shows, etc. Et avant la mort d'Elvis, je n'avais jamais vu sur scène. Et ce n'est qu'après sa mort qu'un jour, je suis tombé sur une vidéo où on voyait Elvis sur scène à Las Vegas. Alors là, c'était quelque chose vraiment d'inouï. La seule personnalité pour qui j'ai une grande admiration aussi, qui est revenue un peu dans ce style d'Elvis après, c'était Michael Jackson. Michael Jackson a été aussi sur scène, il est quasiment fabuleux. Fabuleux, et on peut se poser la question de savoir si Michael Jackson n'a pas été influencé par Elvis. À sa mort, Elvis Presley était l'artiste du disque le plus célèbre et le plus prolifique des États-Unis. Et des décennies plus tard, il demeure l'artiste solo qui a le plus vendu depuis les débuts du disque. En 2013, selon le magazine Forbes, Elvis était la deuxième célébrité décédée la plus riche après Michael Jackson. Elvis a été un phénomène mondial. Il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont revendiqués de lui. On pense par exemple à Dick Rivers, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell pour le monde francophone. Est-ce qu'il y a des jeunes artistes aujourd'hui qui se revendiquent de lui? Alors, oui mais non. Si vous voulez, aujourd'hui, la question n'est plus de se revendiquer d'Elvis en tant qu'Elvis Presley, mais au contraire, de reconnaître ce que tout le monde fait depuis le début des années 60, que sans Elvis Presley, le rock n'aurait jamais existé et la musique d'aujourd'hui n'aurait jamais existé. Sans Elvis Presley, pas de Johnny Hallyday et d'Eddie Mitchell qu'on voit en ce moment, mais pas de Beatles, pas de Rolling Stones, pas de Bob Dylan, pas de Bruce Springsteen, et donc par la force des choses, pas ni de Noir Désir, ni de Radiohead. The snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, could the
If there's one thing that she don't need is another hungry little mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child, it's a helping hand. Oh, he'll grow up to be an angry old man someday. You take a look at you and me. Are we too blind to see? No, we simply turn our heads and look the other way. When the world turns, and an angry little boy with a road he knows plays down on the street how the wind blows. In the ghetto, and his hunger burns. So he starts to run the streets at night, and he learns how to sell, and he learns how to fight. In the ghetto. Then one night in desperation, the old man breaks away. He buys a gun and steals a car. He tries to run, but it don't get far. When his mama cries, as the crowd gathers around an angry young man, face down on the street with a gun in his hand. In the ghetto, as her young man dies. On a cold and gray Chicago, more than a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama avec nous une surprise. C'est le plus jeune fan d'Elvis. Oui, connu en tout cas à l'île Maurice, John, 12 ans. Il interprète Elvis comme personne. John est accompagné bien sûr de papa Jimmy, n'est-ce pas? Qui est toujours présent et qui encourage John à chanter. Pas vrai, John? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, papa est toujours, et maman aussi d'ailleurs. Oui. Hein, toujours présent à tes côtés. Mais alors, comment ça se fait que tu aies interprété une chanson d'Elvis? Ben, à la maison, des fois quand papa organise des karaokés, ben, il chante Elvis, quand elle Falling in Love et tout. Et c'est juste interprétation. Et du coup, ça m'a emmené dans cet univers. Alors, comme je dis toujours, chanter à côté des études, on sait qu'il faut encourager les jeunes aujourd'hui à faire de la musique, à chanter, mais ça ne dérange pas les études. Non, parce que bah, chanter, c'est une passion. Bah, du coup, voilà, c'est un plaisir de chanter. De chanter. Voilà. Donc déjà, à 12 ans, c'est absolument extraordinaire d'entendre cette petite voix nous dire « chanter, c'est une passion ». Oui. Et en plus, chanter Elvis. Donc on va dire de 7 à 77 ans ou de 9 à 99 ans, tout le monde peut chanter. Oui. Il faut chanter. Hein? Et chanter, qu'est-ce que ça t'apporte, John? Ben, des fois, ben, ça aide à voyager, ça fait voyager. Dans la tête, ouais, on voilà. S'en va. Et ben, on s'amuse aussi quand on chante. Voilà, c'est un loisir qui apporte beaucoup, on va dire, ça déstresse. Oui, ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Et tu vas continuer? Ben, oui, oui. Oui. Et à l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors là... Aucune idée encore? Aucune idée. Tu as le temps de toute façon. Oui. Tu as tout ton temps. En tout cas, John, merci beaucoup. Et on va faire un petit crochet à l'hôtel La Pirogue où on va écouter John qui chante Blue Suede Shoes. Merci à vous-même. Vous de même. Merci.
Roger Franetti, aussi fan incontestable, incontournable du King, va nous dire comment le fan club va fêter cette Elvis Week 2021. Absolument. Donc, ce sera le 16 août. Et nous sommes en ce moment justement en train de le fêter tous ensemble, en train de fêter en ce moment avec les téléspectateurs grâce à Anita, à la MBC, sans oublier notre encyclopédie de Memphis, Michel Moreau, qui aurait bien aimé être parmi nous, mais qui se trouve malheureusement en quarantaine actuellement. Oui. À ce sujet, Anita nous réserve une petite surprise. Alors Michel Moreau, effectivement, nous allons le joindre à travers un média, ne vous en faites pas. On va l'entendre parce que Michel a participé à la Elvis Week à Memphis en 2017. Absolument. Et figurez-vous, Roger, qu'il se trouvait dans la queue avec sa fille quand il a été pris en photo. On l'a filmé et il est dans un documentaire sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons voir les images tout de suite. La file d'attente dans laquelle nous pouvons être vus avec Jesse, c'était justement pour assister à un de ces innombrables concerts. Il y en a parfois plusieurs par jour. Et cette Elvis Week, je le rappelle, elle a lieu entre le 11 et le 17 août de chaque année. Et donc, chaque jour a son lot de surprises pour les fans. Il y a des concerts, bien sûr, il y a aussi des interviews où des gens qui ont travaillé avec lui, ses musiciens, les chanteurs, les gospel singers qui étaient toujours dans son orchestre, viennent témoigner et parlent avec les fans, échangent avec eux sur des dizaines et des dizaines d'anecdotes qu'ils ont vécues avec Elvis. Et donc, dans cette salle, il y a des concerts avec des musiciens d'Elvis qui sont toujours vivants, certains, et d'autres, des nouveaux. Il faut savoir qu'entre Nashville et Memphis, c'est la country, c'est le blues, et ça ne manque pas d'excellents musiciens. J'ai assisté à des concerts là-bas, ils sont absolument époustouflants. Nous étions avec ma fille il y a quelques années, en 2017, à Graceland, pour moi-même pour la deuxième fois. Et nous avons assisté à quelque chose d'extraordinaire cette année-là. Il y avait effectivement plus de 50 000 personnes. Il y avait effectivement des raisons à cela, à cet engouement qui n'a pas été démenti au travers des décennies qui se sont écoulées. Mais en 2017, c'était une année particulière parce qu'il y avait un tout nouvel hôtel, le Guest House, à côté de Graceland. Et il y avait un nouveau complexe, 200 000 pieds carrés, dédié à Elvis. C'était le nouveau temple d'Elvis pour le plus grand bonheur de tous les fans. Effectivement, cette année-là, beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de choses à voir, à découvrir, notamment dans ce complexe, il y avait plusieurs musées. Il y a le musée avec toute sa carrière, avec toutes ses tenues vestimentaires, avec toutes ses voitures. Il en a eu plus de 200. Il y avait tous ses motocycles, il y avait toutes les références à son service militaire, et il y avait énormément de choses à découvrir. Il y a évidemment dans ce complexe énorme des restaurants, des gift shops, des salles de concert. Donc, à part tous ces concerts auxquels on peut assister, l'élection du meilleur imitateur, etc., il y a un événement aussi très marquant pendant cette semaine, dédié complètement à Elvis, c'est la Candlelight Vigil. C'est-à-dire que le 15 au soir, traditionnellement, chaque année, les milliers de pèlerins, on peut appeler ça comme ça peut-être, ont tous une bougie à la main et donc défilent devant la tombe d'Elvis pendant toute la nuit au son de ses musiques. Bien évidemment, c'est l'artiste qui a vendu en solo le plus de disques au monde. À part les concerts, les différents concerts que l'on peut voir dans la salle du complexe, ou bien il y a une autre salle de concert également dans le Guest House, dans l'hôtel qui a été inauguré en 2017. À part tous ces concerts, il y a bien évidemment la maison d'Elvis elle-même à visiter, avec les deux avions qui sont parqués non loin de là, en face de la résidence d'Elvis. Donc, il suffit de prendre une petite navette qui traverse le boulevard Elvis Presley, rentrer dans la grande allée, et on vous dépose devant l'entrée principale de Graceland.
Don't be cruel, teddy bear, dancing hips and long black hair, old friend, you crossed my mind today. Las Vegas Hotel, Graceland, sweet young daughter and a million fans, old friend, you touched my heart today. If I listen to you close in the still of the night, I can hear your voice saying you're alright. Close my eyes, open my soul, touch the king of rock and roll, old friend. It's good to feel you once again. Roger, qu'est-ce que cela t'inspire qu'on célèbre toujours le King 44 ans après? Oui, ben évidemment, c'est plus qu'une inspiration. Moi, pour moi, c'est plutôt une preuve que grâce au succès d'Elvis sur toute la planète, à Priscilla, son ex-épouse, et à sa Memphis entreprise, la collaboration de tous les fan clubs qui perpétuent son image et sa musique à travers les médias, les réseaux sociaux, ainsi que les soirées commémoratives à la mémoire du King, que son image et sa musique seront éternelles. Alors, les fan clubs ont un grand rôle à jouer quand même, Roger, à travers le monde. Ben évidemment, mais évidemment, parce que malheureusement, en ce moment, on ne peut pas faire grand-chose vu le problème du Covid. Mais c'est clair qu'il faut développer, il faut faire connaître Elvis. Et on espère aussi qu'il y ait beaucoup de jeunes, comme notre John, ici, qui est ici en ce moment, qui vont continuer à faire parler d'Elvis. Quoi. Mais écoutez, Roger, quand on a vu Sarah, 17 ans, quand on voit John, 12 ans, et ça commence avec Pierrot, qui a 84 ans, voilà. On se dit que l'avenir est quand même... sera toujours ponctué par ce souvenir d'Elvis. Et oui, évidemment. Et on espère que ça va continuer encore, comme je vous l'ai dit, éternellement. Espérons, pour tout le monde. En tout cas, merci à Michel Moreau qui était en quarantaine, mais qui nous a fait quand même parvenir son petit témoignage sur cette Elvis Week qu'il a lui-même vécu, en fait. Ah oui. Alors évidemment, l'encyclopédie de Michel Moreau, c'est un personnage qui est merveilleux. Oui. On aime bien l'entendre, on aime bien lui poser des questions, parce que vraiment, il connaît presque, je peux dire, presque tout sur le King, sur sa vie, sur tout ce qu'il a fait, etc. C'est superbe. Oui. Je n'ai jamais rencontré, en tout cas, de personne qui ait dit « je n'aime pas Elvis ». Non, moi non plus. Moi non plus. Donc, je crois que c'est bien parti. Oui. N'est-ce pas? Oui. Longue vie au King. Et que ça continue. Longue vie au King. Voilà, exactement. Le King est mort, vive le King. Vive le King. Hélène, ça va? Ça va, bien, merci. Alors, tu es la seule femme du Mauritian Elvis Presley Fan Club. Et je crois que là, il faut vraiment faire un appel aux femmes, Hélène. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Anita. Donc, j'aimerais bien que les autres femmes puissent nous rejoindre et bien sûr former le groupe avec ouais. plus de femmes que d'hommes, enfin les deux, mais qu'il y a encore un peu plus de femmes vu que je suis la seule pour le moment dans le groupe. Oui. Et toi aussi, tu es une femme bien sûr incontournable d'Elvis Presley. Ah ben oui, et je pense que c'est pas un hasard au fait, vu que j'aime bien les chansons d'Elvis Presley. Et donc, ça fait combien d'années que tu es secrétaire du fan club? Ça fait à peu près 8 ou 9 ans que je connais le fan club. Et comme je disais, ce n'est pas un hasard, vu que Elvis Presley, sa mort est le 16. Et comme c'est mon anniversaire le 16, je dis que c'est... Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, voilà. De t'en occuper aujourd'hui. De m'en occuper aujourd'hui et je suis très fière de le faire. Magnifique. Très contente. En tout cas, Guylaine, j'espère que ton appel sera entendu autant chez les messieurs que chez les dames pour agrandir le fan club parce que le fan club a besoin de nouveaux éléments. Exactement, tout à fait. Donc, j'espère que le téléphone ne va pas arrêter de sonner. Alors, Guylaine, est-ce qu'on peut avoir le numéro de téléphone, contact du fan club? L'adresse email, c'est le elvisfanclub@gmail.com.
Donc, ceux qui sont intéressés, je fais un appel surtout aux femmes qu'elles nous contactent sur ce numéro-là. Voilà. Voilà. Et on peut même organiser des essais, faire chanter ceux et celles qui aiment chanter. Oui. Mais pas seulement. Si on a une passion pour Elvis, on peut former partie du fan club bien sans sûr. Pour autant être chanteur. Exactement, tout à fait. Donc, on fait plusieurs... on organise plusieurs activités. On fait des karaokés, des chants, des rencontres. Donc, c'est vraiment intéressant. Génial. Voilà. Guylaine, merci beaucoup. J'espère que cet appel sera, en tout cas, bien entendu à travers Maurice. Merci, Anita. Je te remercie beaucoup. Merci à tous d'être restés avec nous. Je vous souhaite un bon dimanche et puis une très bonne semaine. Moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Même chaîne.